Tekken est un des jeux de combat les plus populaires de ces 2 dernières décennies. En décembre 2024, le premier Tekken fêtera ses 30 ans. Et pourtant, cette franchise aux multiples personnages cache nombre de secrets et mystères. Les voici. Numéro 1. Tekken devait s'appeler Rave War, avant d'être changé en Tekken qui veut dire point de fer en japonais. Le tournoi Tekken s'appelle le King of Iron Fist Tournament, soit le tournoi du roi au point de fer. Ainsi, la boucle est bouclée. Numéro 2. De par sa nature extraterrestre, Ogre parle une langue étrange et incompréhensible. Mais en fait, c'est juste du japonais à l'envers. Numéro 3. Pour obtenir Gon dans Tekken 3, il faut jouer au mode Tekken Ball et le vaincre. Et pour obtenir le Dr. Boskonovic, il faut gagner le mode Tekken Force et vaincre le Dr. Boskonovic à la fin de ce mode. Numéro 4. Brian Fury serait inspiré du personnage de Roy Batty du film Blade Runner de Ridley Scott. Numéro 5. Dans Tekken 3 et Tekken Tag Tournament, Forrest Law possède le même costume jaune que Bruce Lee dans le jeu de la mort, quand il affronte Karim Abdul-Jabbar. Numéro 6. Leo Klissin est très certainement le personnage le plus androgyne de Tekken, mais elle est très certainement une jeune femme. Numéro 7. La première fois que l'on voit une référence à Jinpachi Mishima, c'est dans Tekken 2, quand son vieil ami Wang Jinrei se rend sur sa tombe sans savoir qu'il est scellé en dessous du temple Onmaru. Numéro 8. Mokujin ne se réveille que lorsqu'une présence maléfique menace la planète. C'est pour ça qu'il se réveille dans Tekken 3 en même temps que le réveil d'Ogre. Dans Tekken 5, il se réveille quand Jinpachi Mishima se libère du temple Onmaru. Et dans Tekken 6, il se réveille quand Azazel est libéré. Numéro 9. En parlant de Mokujin, dans Tekken Tag Tournament, on peut jouer avec sa version métallique, qui s'appelle Tetsujin. La version dorée s'appelle Kinjin, et apparaît en tant que couleur alternative de Tetsujin dans Tekken Tag Tournament et Tekken Revolution. Pour l'obtenir dans Tekken Tag Tournament, il faut gagner 10 combats d'affilée avec Tetsujin en mode versus. Dans Tekken Tag Tournament, si vous tirez un rayon laser avec Devil, Kazuya ou Angel sur Jack 2, Gen Jack et P Jack, ils deviennent fous et attaquent dans le vide en agitant leurs bras. Numéro 11. Contrairement aux idées reçues, Alex le dinosaure n'est pas un vélociraptor, mais il serait plutôt un droméosaure, un dinosaure de la famille des raptors. Numéro 12. Dans Tekken 1, Kazuya possède un costume alternatif qui n'est nul autre que sa forme démoniaque. Transformation qu'il utilise pour vaincre son père à la fin de l'histoire. Pour débloquer ce costume, il faut finir le mini-jeu Galaga disponible sur la version console de Tekken. Ensuite, il faut sélectionner Kazuya avec le bouton Select. Numéro 13. Tekken n'est pas étranger aux apparitions dans d'autres licences. C'est pour ça que dans Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, vous pouvez trouver Lars Alexanderson dans les personnages jouables. Et Hachi Mishima, lui, apparaît dans PlayStation All-Stars, un jeu réunissant les icônes des plus grands jeux de la PlayStation, à la façon d'un Super Smash Bros. Ce qui est une excellente transition pour mentionner le caméo d'Heihachi dans son temple dans Super Smash Bros Ultimate en tant que personnage non jouable. En revanche, Kazuya est jouable dans ce jeu et son arrivée a provoqué un sacré buzz. What? This is Tekken. It's Tekken. It's Kazuya! I think he's a stage element, isn't he? Yeah, I think so. Maybe. Oh, he could be a stage element. Heihachi est également un personnage invité dans la licence Soul Calibur. Mais il n'est pas le seul personnage de Tekken à s'y joindre, car on peut également compter sur la présence du mystérieux Yoshimitsu. De même que Marshall Law et Paul Phoenix sont jouables dans le jeu de baston Urban Reign. Numéro 14. Continuons sur les caméos, mais cette fois-ci dans des jeux autres que des jeux de combat. Dans Pac-Man Fever, Tiger Jackson et Heihachi font des caméos. Et dans Smash Court Tennis Pro Tournament, et dans Smash Court Tennis Pro Tournament 2, Heihachi et Ling Xiaoyu sont des personnages jouables. Mokujin, quant à lui, se fait dégommer dans Point Blank 3, et Eddie Gordo et Yoshimitsu sont jouables dans Anna Karnikova, Smash Court Tennis. Numéro 15. Lors de l'E3 en 2001, le jeu Tekken 4 était révélé pour la PlayStation 2, avec son lot de nouveaux personnages. Parmi les personnages, on compte le fameux boxeur anglais Steve Fox. Mais lors de la révélation du jeu, Steve s'appelait Dean Erwicker. Les fans trouvaient ce nom tellement nul que son nom a été changé en Steve Fox. Numéro 16. Dans Tekken 2, il y a un mode qui permet d'enfler considérablement la tête du personnage sélectionné. Pour ce faire, vous devez garder le bouton Select appuyé quand vous choisissez votre personnage et rester appuyé jusqu'à ce que le combat commence. Numéro 17. Dans Tekken 5, si vous abandonnez face à Jinpachi, une cinématique se débloque. On y voit Jinpachi sombrer dans le désespoir tandis que sa transformation démoniaque évolue. Numéro 18. Dans un des crossovers les plus improbables de l'histoire des crossovers, une pub pour du lait met en avant une vache appelée Lovely, qui devient un personnage jouable dans Tekken 3. Elle y affronte Forrest Law et elle explose sans la moindre pitié. Numéro 19. Le boss final de Tekken 1 est Heihachi, mais c'est un boss jouable. Au cours de son parcours, il affronte les 8 personnages cachés du jeu, avant d'affronter son fils en Devil Kazuya. Numéro 20. Toujours dans Tekken 1, la version arcade du jeu ne contient que 8 personnages. En réalité, le roster est composé de 16 personnages, mais l'intégralité du roster est disponible sur la version console uniquement. Numéro 21. Dans Tekken 2, on affronte Heihachi dans un temple traditionnel japonais, dont le sol a été gravé avec les noms d'Heihachi et Kazumi pour symboliser leur amour. Ce foreshadowing, longuement théorisé, est confirmé lors de l'intro de Tekken 7, pour une vingtaine
d'années plus tard. Numéro 22. Lors du développement de Tekken 3, Jin devait s'appeler initialement Jin Mishima, mais il prendra le nom de Kazama, soit le nom de sa mère, ce qui nous rappelle le cas de Portgas the Ace dans One Piece, qui choisit le nom de sa mère plutôt que celui de son père qu'il déteste, comme Jin déteste son père, comme quoi l'histoire de famille c'est jamais facile. Numéro 23. Le créateur et scénariste de Tekken s'appelle Katsuhiro Arada, et il est déjà venu en France, notamment à Toulouse en 2011, dans le cadre de la Toulouse Game Show. Numéro 24. Le personnage favori de Katsuhiro Arada est Heihachi Mishima. D'ailleurs, il appelait son Shiba Heihachi en hommage au personnage qu'il a inventé, et le personnage qu'il aime jouer serait Feng Wei. Numéro 25. Katsuhiro Arada a révélé que le gène Devil protège de la calvitie, d'où le fait que Kazuya et Jin ont pu conserver leurs cheveux, contrairement à Heihachi et Jinpachi qui ont une magnifique calvitie digne de Monsieur Burns. De plus, Lars porterait en réalité une perruque, ce qui indique que Lars n'a pas non plus échappé à la calvitie, héréditaire, étant donné qu'il est un des héritiers de Heihachi. Numéro 26. Les deux choses que Kazuya Mishima aime le plus au monde, c'est voir le regard plein de haine de son père Heihachi et collectionner les baskets. Oui oui, vous ne rêvez pas. Kazuya veut conquérir le monde, mais il ne le fera jamais sans sa paire de Jordan. Numéro 27. Nina Williams est une femme froide, méthodique, une assassin hors pair comme on n'en fait plus. Mais c'est également une grande fan de Tom et Jerry. D'ailleurs, son personnage favori est Tom. Elle a clairement des bons goûts. Numéro 28. Bien qu'ils aient l'air humains, les robots Jack ne possèdent pas de sang. À la place, leur système interne est composé de plutonium liquide. Numéro 29. Le premier design de prototype Jack était loin de son look à base de casquettes et lunettes de soleil. On partait à la base sur un look plutôt atypique, pour ainsi dire. Numéro 30. Dans le générique de Tekken 5, tous les personnages du roster apparaissent, sauf ce bon vieux Mokujin. Numéro 31. Jun, Kazama et Kazuya Mishima sont deux personnages absents de Tekken 3 malgré leur popularité. Mais vous saviez qu'ils étaient prévus pour intégrer le roster de Tekken 3? Je vous laisse écouter ça. Numéro 32. De même, dans Tekken 4, beaucoup de personnages finalement revenus dans Tekken 5 ou dans des épisodes plus récents étaient censés se rajouter au maigre roster de Tekken 4. Je vous laisse écouter ça. Anno Williams, Jun Kazama, Boris Law, Gandu, Gun Jack, Armor King, Michelle Chang, Hecto-san, Jack 2, Bruce Irvin, Kunimitsu, Tetsujin, Mokujin, Kinjin, Wang Jinle, Prototype Jack, Devil, Angel, Ogre, True Ogre, Roger, Derboskanovich, Jinpachi Mishima. Unknown. Numéro 33. La grande phobie de Mokujin, c'est les tronçonneuses. Logique vu qu'il est en bois. En tout cas, espérons que Mokujin ne se rende pas au fin fond de la campagne texane, sous peine de rencontrer le terrifiant Leatherface et sa bruyante tronçonneuse dont il ne se sépare jamais. Numéro 34. Anna Williams n'était pas initialement prévue pour Tekken 3. Elle était prévue pour être une des victimes de Ogre et elle n'aurait pas survécu à son attaque. Numéro 35. Dans Tekken 7, si Devil Jin ou Devil Kazuya vous envoie un laser et que vous utilisez Alyssa Boskonovich ou Jack 7, en appuyant sur les bons boutons au bon moment, vous pouvez récupérer de la santé grâce à l'énergie du laser. Numéro 36. Tekken 3 devait initialement nous présenter le personnage de Sake, un saumon qui aurait été le grand rival de Kuma. Kuma qui mange du saumon. Non, il n'y a aucune vanne, je suis très sérieux. Le personnage a été supprimé parce que les pauvres japonais qui jouaient à Tekken 3 sur arcade auraient payé 100 yens pour jouer avec un saumon qui se contente de gigoter comme Magikarp. Numéro 37. Le nouveau look de Warang dans Tekken 7 a fait couler beaucoup d'encre. On l'avait connu roux et le voilà avec des cheveux noirs. Mais ce sont ses vrais cheveux. Warang est en réalité brun. Il se teint les cheveux en roux dans certains pays asiatiques. Se teindre les cheveux est un symbole de rébellion envers l'autorité. Ce qui convient parfaitement à Warang qui déteste obéir à autrui ou se plier aux normes sociales. Un véritable petit caïd. Numéro 38. Dans Tekken 7, si vous jouez à Tekken Bowling avec Noctis de Final Fantasy, on peut voir ses amis en tant que figurants en arrière-plan. Numéro 39. Dans Tekken 7, Negan, le légendaire antagoniste dans The Walking Dead, est un personnage jouable. Il a même droit à son propre terrain de combat. Le lieu en question est le lieu où il piège le groupe de Rick, et c'est également le lieu où il tue Abraham et Glenn. Un épisode qui a traumatisé de nombreux spectateurs. Le terrain s'appelle d'ailleurs Last Day on Earth, qui est le titre de l'épisode où il apparaît, dans le 16e épisode de la saison 6. Numéro 40. Tekken 7 a collaboré avec la New Japan Pro Wrestling dans la customisation. On retrouve des références à Kazuchika Okada et au Bullet Club, une des plus célèbres factions du catch, qui a connu dans ses rangs de grands noms tels que Finn Balor, AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson et les Young Bucks, pour ne citer que les plus connus. Ainsi, dans la customisation des personnages masculins, on peut trouver des t-shirts à l'effigie du Bullet Club. Numéro 41. Dans Tekken 3, si vous jouez 10 fois avec Gun Jack et que ensuite vous le sélectionnez avec le bouton Start, il obtient l'apparence de Jack 2. Numéro 42. Le sabre qu'utilise Yoshimitsu s'appelle également Yoshimitsu. Quelle originalité. Numéro 43. Wang Jinrei est le personnage humain le plus vieux. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était dans Tekken 6, et il était âgé de 105 ans. Numéro 44. Le design de Devil Kazuya est inspiré de la forme démoniaque de Akira Fudo du manga Devilman, dessiné et écrit par Go Nagai. Numéro 45. Les robots Jack seraient inspirés des T-800 de la saga Terminator de James Cameron. Numéro 46. Le prénom Kazuya est l'anagramme de Yakuza, nom de la mafia japonaise.
Ce qui n'est pas du tout anodin quand on sait que Kazuya gérait la Mishima Zaibatsu d'une main de fer, et gérait ses affaires comme un yakuza. Il était notamment impliqué dans de nombreux crimes, tels que des assassinats, des trafics de drogue, d'armes, d'animaux et accessoirement des enlèvements et des vols. Le casier judiciaire doit être bien rempli en tout cas. Numéro 47. Bien qu'il soit japonais, Heihachi Mishima s'est vu retirer la nationalité japonaise par le gouvernement nippon à cause de ses très nombreux crimes. Numéro 48. Heihachi Mishima serait inspiré du célèbre écrivain japonais Yukio Mishima, un nationaliste du Japon d'après-guerre qui était connu pour respecter un code d'honneur strict digne des samouraïs dont il serait un descendant. En 1968, il fonde le Tatenokai, une milice privée au service de l'empereur qui aurait servi d'inspiration à la Tekken Force. Milice privée de Heihachi. Numéro 49. Forest Law a disparu après Tekken 3, son père reprenant sa place dans le roster des prochains opus. Mais il fait quand même quelques caméos quand il n'est pas jouable. On le voit notamment dans un décor de Tekken 6. Numéro 50. Depuis Tekken 4, Brian Fury célèbre ses victoires de la façon la plus violente possible. En effet, homme ou femme, en guise de célébration, il va marteler de coups de poing son adversaire. Mais cette célébration macabre, il ne la fait pas quand il affronte un animal, tel que Kuma, Panda, Roger Jr., etc. Numéro 51. On connaît tous Paul Phoenix, cet américain fan d'arts martiaux, et on connaît tous sa technique fétiche et surpuissante, appelée Burning Fist. Point brûlant en anglais. Cette technique apparaît pour la première fois dans Tekken 2, ce qui est plutôt ironique quand on sait que Paul n'a pas pu participer au tournoi à cause d'un problème de trafic. Numéro 52. Dans la customisation des personnages de Tekken 5 Dark Resurrection, vous pouvez équiper Jin avec une perruque de cheveux bleus, hérissée, ressemblant étrangement à la coupe de Sangoku en Super Saiyan Blue. Transformation apparue pour la première fois en 2015 dans Dragon Ball Z de la résurrection de Freezer, soit 9 ans après la sortie de ce Tekken 5,5. Numéro 53. En parlant de customisation, le mode customisation apparaît pour la première fois dans Tekken 5. Et dans cet opus, vous pouvez équiper Kazuya avec les cornes, les ailes et la queue de sa forme Devil. Numéro 54. Dans Tekken 2, pour débloquer Roger et Alex, vous devez gagner le troisième niveau du mode arcade avec une santé très faible. Une fois que c'est fait, vous affrontez Roger. Une fois Roger vaincu, vous devez terminer le mode arcade et le duo sera débloqué. Numéro 55. Toujours dans Tekken 2, il existe un mode fil de fer. Pour y jouer, vous devez maintenir enfoncées les touches L1 et L2 en sélectionnant votre personnage. Numéro 56. Encore dans Tekken 2, si vous sélectionnez votre personnage tout en appuyant sur R1 et L1, vous pourrez combattre en vue subjective. Numéro 57. Des hackers ont réussi à concevoir un Tekken 2 jouable sur Super Nintendo, et le résultat est pas terrible étant donné que c'est une version piratée. Numéro 58. Heihachi dans Tekken 7 est la version la plus puissante du personnage. Depuis sa cuisante défaite face à Kazuya au premier King of Iron Fist Tournament, il n'a pas cessé de s'entraîner, combattre et développer de nouvelles techniques. Et ouais, Heihachi est à son prime à 75 ans. À un âge aussi avancé, il tapait des 1 contre 1 garde du Nord avec son fils transformé en démon. Le tout sur un volcan en éruption. Non mais regardez-moi ce monstre. Bref, Heihachi c'est le patron. Numéro 59. Plus tôt, je vous disais que le hobby de Kazuya c'était de collectionner les baskets. Eh bien, dans Tekken 1, on peut le voir porter des Nike. Numéro 60. Plus tôt, je vous disais que Heihachi s'est vu retirer la nationalité japonaise à cause de ses nombreux crimes. Eh bien, c'est également le cas de Kazuya. Dans sa biographie de Tekken Tag Tournament 2, on apprend que sa nationalité lui a été retirée pour les mêmes motifs. Comme dit le proverbe, tel père tel fils. Numéro 61. Si vous êtes un fan de Kunimitsu et que vous êtes déçu de son absence dans Tekken 5 notamment, dans ce même opus, vous pouvez équiper Yoshimitsu avec le masque de Kunimitsu. Numéro 62. Un des personnages initialement prévus pour Tekken 3 était une femme zombie dans une robe de mariée. Numéro 63. Dans Tekken 3, il est possible d'utiliser Jin Kazama et Ling Xiaoyu,
dans leur uniforme de lycéen. Pour débloquer les uniformes, il faut jouer avec ces deux personnages. 50 fois chacun. Une fois fait, quand vous affronterez Jin ou Shaoyu en uniforme de lycéen, un nouveau terrain de combat se débloque. Le lycée polytechnique Mishima, dans lequel on peut apercevoir la fameuse statue dorée représentant Heihachi. Et oui, ce mec a un ego aussi gros que son crâne. Numéro 64. Dans la customisation de Tekken 7, vous pouvez équiper Claudio Serafino avec le fameux masque de pierre que l'on retrouve au cœur de l'intrigue des deux premières parties de JoJo's Bizarre Adventure. C'est le masque que Dio enfile dans Phantom Blood pour devenir un vampire. Numéro 65. Apparu pour la première fois dans Tekken 5, le personnage de Raven est inspiré de l'acteur Wesley Snipes, qui a notamment joué dans la trilogie Blade pour Marvel, ainsi que dans Demolition Man. Numéro 66. Dans Tekken Tag Tournament 2, si vous abandonnez face à Ogre, il se met à dévorer le cadavre de votre personnage. Numéro 67. Un dépôt secret de Tekken Revolution est une version dorée de Ogre, en sa forme monstrueuse, communément appelée Golden Ogre par les fans, à ne pas confondre avec le plus terrifiant et puissant Golden Freezer. Numéro 68. Si Kazuya aime collectionner les baskets, alors Heihachi lui aime collectionner les geta, les sandales traditionnelles japonaises. Numéro 69. Unknown était initialement prévu pour être la sœur de Jun Kazama. Or, dans le databook accompagnant la sortie de Tekken 6, on apprend que Jun Kazama et Unknown étaient une seule et même personne depuis le début. Numéro 70. Dans Tekken 3, tous les personnages possèdent un combo de 10 coups, sauf le docteur Boskonovich qui lui possède un combo de 20 coups en plus de son gameplay atypique. Numéro 71. Gon immunisé face au feu de Ogre. Numéro 72. Dans Tekken 4 et 5, Eddie Gordo est jouable en tant que costume alternatif de Christy Montero. Dans Tekken 5, pour le débloquer, il faut aller dans la customisation de Christy et l'acheter pour 500 000 pièces. Numéro 73. Sur le débardeur de Eddie Gordo, on peut lire le mot Faiske, qui veut dire étincelle en portugais. Numéro 74. Eddie Gordo devait initialement s'appeler Rally Jackson lors de son introduction dans Tekken 3. Numéro 75. Le style de combat de Kazuya serait inspiré du Shotokan Ryu, une forme de karaté inventée par Sokon Matsumura, un art martial notamment pratiqué par des célébrités telles que Jean-Claude Van Damme, Michael J. White et Wesley Snipes. Numéro 76. Quand il était élève au lycée Mishima, Jin prenait des cours d'ingénierie mécanique. Numéro 77. Le surnom de Sergei Dragunov est l'ange blanc de la mort. Numéro 78. Les deux choses que Sergei Dragunov aime, c'est chanter et manger des boulettes de poulpe. Numéro 79. Dans Tekken 7, on découvre le charismatique Shaheen, dont le prénom en arabe signifie faucon pèlerin, qui est son animal fétiche. Numéro 80. Lars Alexanderson était prévu pour être un membre de la Tekken Force des Tekken 3. Il a finalement été introduit dans Tekken 6. Numéro 81. Alex était visiblement prévu pour être jouable dans Tekken 5. On apprend dans l'artbook de Tekken 6 qu'il contient l'ADN de son collègue Roger. Numéro 82. Dans Tekken 3, King possède un costume alternatif avec lequel il porte le masque de son mentor Armor King. Et dans Tekken 5, on peut le customiser avec ce même masque. Numéro 83. Baek Doosan est 6ème dan de ceinture noire de Taekwondo. Numéro 84. Le policier Bob s'appelle en réalité Robert Richard, comme indiqué dans l'artbook de Tekken 6. Numéro 85. À partir de Tekken 4, le gameplay de Jin Kazama change. Il abandonne le karaté Mishima au profit d'un mélange de karaté plus traditionnel mêlé aux techniques du clan Kazama que lui enseignait sa mère. En revanche, lorsqu'il est en Devil Jin, il utilise de nouveau le karaté Mishima. Numéro 86. Fakum Ram ne s'appelle pas vraiment Fakum Ram. C'est le nom de combattant qu'il utilise depuis qu'il a été frappé par la foudre lorsqu'il était plus jeune. Numéro 87. Le maître du Kenpo chinois Feng Wei serait inspiré de Retsuka du manga Grappler Baki. Numéro 88. Heihachi Mishima est le personnage avec le plus de tournois remportés à son actif. Il a gagné les 2e, 3e et 4e éditions du King of Iron Fist Tournament, bien que pour le 3e, le vainqueur devrait être Jin Kazama, car il est celui qui a tué Ogre. Numéro 89. Heihachi Mishima fait un caméo dans le légendaire manga GTO. Numéro 90. Le tigre de Kazumi aurait été tué par Heihachi peu de temps après le meurtre de sa femme, animal que l'on retrouve sur les kimonos de Heihachi. Numéro 91. Le bulldog qui accompagne Leroy Smith s'appelle Sugar. Numéro 92. En plus de jouer Heihachi et Feng Wei, Arada aime également jouer avec l'ex-champion de Valet Tudo, Craig Marduk. Numéro 93. Marshall Law est absent de Tekken Tag Tournament 1. Mais un fichier audio révèle qu'il était initialement prévu. Martial Law. Numéro 94. Dans le même genre, un fichier audio révèle que le Dr. Abel et le Dr. Boskonovich étaient prévus pour Tekken Tag Tournament 1. Dr. Abel, Dr. Boskonovich. Le Dr. Boskonovich était jouable sur la version console de Tekken 3. Numéro 95. Dans Tekken 6, il est possible de déguiser Miguel Caballero Rojo en Rambo. Numéro 96. Mokujin connaît Eddie Gordo et il a déjà rencontré Jun Kazama ainsi que plusieurs membres du clan Kazama.
Kazama. Numéro 97. Pajak est le seul robot de cette série à apparaître dans deux opus canoniques de Tekken. Le premier et le deuxième en l'occurrence. Numéro 98. La coupe de cheveux délirante de Paul Phoenix serait peut-être inspirée de celle du légendaire français Jean-Pierre Polnareff du célèbre manga Jojo's Bizarre Adventure. Numéro 99. Le personnage de Sébastien parle français, étant donné qu'il est monégasque. Il est également doublé par Serge Bourrier qui a été le narrateur de Dragon Ball GT. Je serai votre adversaire. Numéro 100. Tiger Jackson est un concept inutilisé pour Eddie Gordo. Au lieu de ça, il sert de personnage alternatif sur la case de ce dernier dans Tekken 3 et Tekken Tag Tournament 1. Numéro 101. Dans Tekken 5, pour débloquer Devil Jin, il faut finir le mode The Devil Within, ou bien gagner une centaine de combats en mode arcade. Numéro 102. Contrairement au robot Jack qui fonctionne au plutonium, les robots P-Jack fonctionnent à l'essence. Numéro 103. Tiger Jackson possède le taunt le plus long de Tekken, le taunt étant une forme de provocation. Numéro 104. Si l'on croit les données audio de Tekken Tag Tournament 1, Devil Jin devait faire partie du jeu. Devil Jin. Numéro 105. Dans Tekken 7, quand Ganryu bat son adversaire avec son Rage Art, il effectue une pose spéciale. Numéro 106. Dans Tekken 7, lorsque King porte la tenue de Kazuchika Okada, en guise de Rage Art, il effectue le finisher de ce dernier. Numéro 107. J'ai découvert Tekken avec Tekken Tag Tournament 1. Je l'ai découvert alors que j'étais enfant. Le perso que je préférais c'était King, il me fascinait avec son masque de jaguar. En tout cas, ce jeu il occupe encore aujourd'hui une place dans ma bibliothèque de jeux PS2 et aussi dans mon cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec quel Tekken vous avez commencé cette franchise. Numéro 108. Paul Phoenix et Nina Williams sont les seuls personnages à être apparus dans tous les opus canoniques de Tekken, soit du 1er au 8ème opus. Yoshimitsu les rejoindra sans doute si son retour est confirmé pour Tekken 8. Au moment où je m'enregistre, il n'est pas encore confirmé pour le roster de Tekken 8. De plus, si par un quelconque miracle, Heihachi sera également l'un des leurs, si jamais il revient en Tekken 8. Mais vu le sort qu'il subit à la fin de Tekken 7 aux mains de son fils Kazuya, c'est peu probable de le revoir de sitôt. Numéro 109. Les gants de Kazuya et Jin seraient inspirés du design de Star Platinum, le stand de Jotaro Kujo, protagoniste de la troisième partie de Jojo's Bizarre Adventure. Numéro 110. Lei Wulong est un hommage assumé au célèbre acteur et cascadeur hongkongais Jackie Chan. Numéro 111. Dans Tekken Tag Tournament, si vous jouez Kazuya et sa forme Devil en équipe, au lieu de changer de partenaire, Kazuya se transforme en Devil Kazuya ou inversement. Numéro 112. Dans le mode The Devil Within de Tekken 5, le boss final est Ogre dans une transformation exclusive à ce mode. Numéro 113. Dans le mode bowling de Tekken Tag Tournament 1, on peut voir le Dr. Boskonovich dans la foule, et Brian Fury peut le localiser facilement grâce à ses capacités de cyborg. Numéro 114. En parlant de cyborg, Brian, Alyssa Boskonovich et Jack 7 ont une interface robotique lors du mode Tekken Bowling de Tekken 7. Numéro 115. Si Alyssa Boskonovich ou Jack 7 se prend le Rage Art de Miguel, alors leur interface robotique devient endommagée. Numéro 116. Dans la version coréenne des jeux Tekken dans lesquels Alyssa Boskonovich est un personnage jouable, ses tronçonneuses sont remplacées par des sabres laser. Numéro 117. L'enseigne Footlocker fait une courte apparition dans une cinématique de Tekken 6. Numéro 118. Marshall Law devait initialement s'appeler Law le Dragon, sûrement une référence à Bruce Lee qui était surnommé le Petit Dragon. Numéro 119. Tekken 3 devait avoir des boss secrets, dont une montre religieuse de grande taille. Numéro 120. Quand Heihachi affronte Ogre dans Tekken 3, c'est l'énergie de Jin qui est utilisée pour permettre à Ogre de se transformer alors que d'habitude il absorbe l'énergie des Heihachi. Numéro 121. Le premier opus de Tekken et le premier jeu de la PlayStation 1 a dépassé les 1 million d'exemplaires vendus. Numéro 122. Katsuhiro Arada a doublé Yoshimitsu, Kunimitsu, Marshall Law et Forest Law dans les 3 premiers Tekken pour des raisons budgétaires. Numéro 123. Sur le terrain de combat de Paul Phoenix et Brian Fury, dans Tekken 3, on peut voir un graffiti sur un mur mentionnant Soul Edge, un autre jeu de combat produit par Namco, les producteurs de Tekken donc. Et numéro 124. Cette dernière anecdote est à prendre avec d'énormes pincettes. Elle nous provient d'un forum datant de l'année 1997, soit peu de temps avant la sortie de Tekken 3 dans les salles d'arcade, et sa sortie sur console en 1998. La personne qui parle sur le forum aurait travaillé sur le développement de Tekken 3 et nous en révèle un peu plus sur ce qui se tramait en coulisses, concernant ce nouvel opus. La personne sur le forum a pour pseudo Gravedigger, et avait consacré une page entière à Tekken 3. Pour commencer, les personnages de Tekken 2 n'étaient pas censés disparaître, ils étaient tous censés intégrer le roster de Tekken 3, et sur le forum il était fait mention de Armor King, Kunimitsu et Ganryu. Et comme on l'a vu précédemment, Jun et Kazuya étaient dans les fichiers audio du mode arcade du jeu. Gravedigger nous dit également qu'il y avait vu dans la sélection des personnages un certain Tiger, qui est sans aucun doute Tiger Jackson,
la version alternative de Eddie Gordo. De plus, Mokujin était censé avoir sa version métallique en troisième costume, soit Tetsujin qui sera finalement introduit dans Tekken Tag Tournament. De plus, à la même période, un certain TC sur le forum Twisted Tekken raconte que son frère et lui sont de grands fans de Tekken, et que son frère était en Corée du Sud, lui faisant des mises à jour régulièrement sur le développement du jeu. C'est là que ça devient intéressant. Il nous parle d'un personnage initialement prévu pour être un sous-boss de Tekken 3. Son nom est Rage Mishima, un personnage de la famille de Heihachi. Peut-être un frère caché, un oncle ou un grand-père, on ne connaît rien de lui. Il était censé avoir les cheveux noirs avec un bouc, un kimono à la Paul Phoenix mais en blanc, et des gants rouges comme Kazuya et Jin. Son gameplay était censé être un mélange de techniques de Heihachi et Kazuya. Il aurait également eu ses propres techniques qui étaient décrites comme étant très violentes, ce qui en dit long sur la personnalité du personnage. Bien que l'on ne puisse pas confirmer à 100% la fiabilité de ces informations, certains éléments se sont confirmés dans Tekken Tag Tournament et Tekken 4, notamment concernant l'apparition de Tetsujin. Le changement de design de Kazuya qui est plus vieux avec des cicatrices au visage à partir de Tekken 4, et surtout le retour des personnages disparus après Tekken 2, qui reviennent se mélanger au roster de Tekken 3 pour donner naissance à Tekken Tag Tournament qui est sorti en 1999 sur arcade, soit l'année de ma naissance, tout est lié. Bon, blague à part, le plus dommage c'est l'annulation du personnage de Rage Mishima qui aurait été très intéressant à jouer. Mais Tekken 8 n'est pas encore sorti et Heihachi étant confirmé encore une fois comme étant mort récemment, dans une interview, il reste une place à combler alors, qui sait. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Je suis désolé si elle a été aussi longue et je suis aussi désolé pour le temps d'attente super long. C'est vrai que je sors pas des vidéos régulièrement, mais c'est pas facile, faut essayer de se renouveler, trouver de l'inspiration, trouver du temps. Mais je fais de mon mieux et je m'en excuse encore de pas être aussi actif sur YouTube. Je vous avoue que c'est pas mon activité principale, on va dire. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. En tout cas, à chaque fois, ça me fait vraiment très plaisir de voir vos commentaires, de voir vos messages d'encouragement, de remerciements, ça fait vraiment plaisir. Et c'est moi qui vous remercie, franchement, c'est vraiment top. Je suis ravi franchement de cette ambiance que vous à chaque fois vous mettez à chaque sortie de vidéo. C'est vraiment cool, vous m'encouragez à en faire toujours plus, à me donner toujours plus à fond, et ça me fait plaisir de faire plaisir. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Je suis en train de préparer un peu la suite. Là, c'était ma plus grosse vidéo sortie à ce jour, c'était la plus ambitieuse que j'avais. J'espère pouvoir faire de vidéos plus ambitieuses sur d'autres sujets, que ce soit sur Tekken ou d'autres sujets. En tout cas, j'y réfléchis de plus en plus, et voilà quoi. En tout cas, comme on dit, restez à l'affût et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à la prochaine. Salut.